Salut à tous. J'ai remarqué il y a un petit moment que certains de mes livres prenaient la poussière, et notamment les poches, parce que je lis très peu dans ce format. Ce n'est pas ma faute, je n'aime pas les poches. Ça m'agace, les poches. En me penchant du coup sur cette étagère réservée aux poches, je me suis dit, il y a un livre que j'ai jamais osé tenter, c'est le moment. J'ai été une grande fan de la série, donc du coup j'avais extrêmement peur d'être déçue. Est-ce que ça a été le cas? Un peu, ouais. Ne tournons pas autour du pot, je vous présente aujourd'hui Orange is the New Black de Piper Kerman, traduit par Jacques Martinache et ses éditions Pocket. Piper Kerman semble être une jeune femme comme les autres, elle a un bon travail, elle a un amoureux, elle a une famille et des amis qui l'aiment, bref, tout va bien dans la vie de Piper. Pourtant, elle n'est pas toute blanche puisqu'il y a 10 ans, elle a transporté une valise pleine d'argent pour un dealer de drogue. Enfin, pour le grand Manitou des dealers de drogue. Qui aurait cru que son passé la rattraperait pour une erreur datant de si loin? Le verdict tombe, 15 mois d'incarcération dans une prison pour femmes aux États-Unis. Ou plus précisément dans le Connecticut. Le changement d'environnement est brutal, les règles sont loin d'être les mêmes, et Piper va devoir vivre avec pendant 15 mois. Elle va découvrir un milieu avec des lois arbitraires, pas toujours justes, et elle va aller de surprise en surprise. D'habitude, je suis plutôt bavarde en ce qui concerne la couverture, mais là, regardez. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça? C'est une écriture orange sur un fond noir. Il n'y a aucune prise de risque. Rien. La neutralité à son paroxysme. Non mais regardez, franchement, Orange is the New Black, il y a du orange et il y a du noir. Voilà. Il n'y a aucune imagination dans cette couverture, enfin. Ça donne pas envie. Enfin après, faut pas que je sois trop dure parce que j'ai l'habitude de vous chroniquer des livres young adult, donc très colorés, avec des personnages, des beaux dessins, etc. Et là, on part sur un livre adulte. Donc du coup, pour un standard adulte, c'est normal, c'est la neutralité classique. Pour une lectrice de young adulte, là on trouve juste la couverture moche, on est d'accord. Faut savoir que j'ai lu très peu de biographies dans ma vie, et qu'aucune ne m'a vraiment marquée. Et je crois que Orange is the New Black va rentrer dans cette catégorie parce que c'était pas incroyable quoi. Alors après, est-ce que j'avais trop d'attentes? Peut-être, peut-être. Mais c'était pas une lecture palpitante, pourtant j'en ai vu des commentaires positifs. Hein. Mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Après, comme je le dis souvent, une biographie, ça retrace la vie d'une personne et par conséquent, il y a forcément des longueurs. Je veux dire, la vie d'une personne n'est pas tout le temps extraordinaire. Voilà, même en prison, il y a forcément des moments où voilà, c'est plat, bah là aussi. Même si l'ordre des chapitres a un sens. Ce qui est logique, ça va du début de sa condamnation à la fin de sa condamnation. Tout ça est totalement logique. L'intérieur des chapitres, c'est un bordel monstre. On sent que Piper Kerman, elle a voulu faire des thèmes pour chaque chapitre. C'est un échec. Vraiment, c'est un échec. Elle passe d'un thème à l'autre, on est totalement embrouillé, on ne sait même plus quand on est. En fait, on ne sait plus temporellement où on en est. Vraiment, c'est un bazar. Un autre élément qui m'a frustrée, mais qui est totalement normal, c'est le nombre de personnages. Je veux dire, elle est dans une prison pour femmes. Il y a des centaines et des centaines de femmes enfermées avec elle. Forcément, il y a énormément de personnes. Forcément, il y a donc beaucoup de personnages dans ce livre. Mais au moins faire l'effort, je sais pas, de ne pas donner le même prénom à plusieurs personnages. Parce que là, je sais qu'il y a une Janet, mais il y en a plein d'autres en fait des Janet, et je ne sais pas laquelle est laquelle. Aucune idée. Là, ça va faire 2 semaines que j'ai lu le livre. Les seuls personnages dont je me souviens, c'est Pop et Nathalie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que mon cerveau a travaillé tout seul et les a reliés à des personnages d'Orange is the New Black, la série sur Netflix. Pour moi, Pop est Red. Et dans ma tête, Nathalie a été reliée à Mademoiselle Claudette ou Madame Claudette. Je sais plus si c'est Mademoiselle ou Madame. Mais du coup, c'est tout. C'est... voilà. Alors forcément, j'ai voulu voir s'il y avait des similitudes avec la série Netflix, et à ma grande surprise, il y en avait plutôt pas mal. C'est-à-dire que déjà, on retrouve d'autres personnages qui vont vous dire quelque chose, mais dans le livre, ils sont pas étudiés en profondeur, c'est dommage. On a la bonne sœur, on a également Pensatucky, et on a Crazy Eyes, qui s'appelle Suzanne, du coup, dans la série Netflix, et qui là, n'a pas de prénom. Elle s'appelle juste Crazy Eyes. Je pensais pas que ces personnages existaient. Pour moi, c'était impossible que ces femmes existent. Et pourtant, elles sont bien là. Et ce que je remarque aussi, c'est que Netflix a quand même énormément caricaturé ces personnages. Genre vraiment. J'ai retrouvé aussi certaines scènes de la série, et autant ça m'a fait sourire quelques fois, autant d'autres fois, j'ai juste été choquée. Parce que mon cerveau se disait, non mais attends, ça a vraiment existé? Mais c'est dégueulasse!
Quand c'est une série, on peut se dire « Ouais, c'est l'imagination du scénariste, ça rend la chose moins grave. » Que là, c'est une biographie, ça a existé, c'est la réalité, et elle te frappe en plein visage. Je me suis dit que la série devait exagérer à certains moments, mais quand je vois qu'il y a vraiment une détenue qui a fait pipi devant le box d'une autre détenue pour se venger et que l'autre détenue a bien dû essuyer le pipi avec des serviettes hygiéniques, oh, c'est dégueulasse. Et pour les connaisseurs de la série, les grands fans d'Orange is the New Black, Piper a bien insulté la nourriture de Pop. Voilà, je vous laisse là-dessus, vous avez l'image de la scène en tête, vous savez ce qui arrive à Piper. Mais c'est beaucoup moins trash dans le livre, hein. Je tiens à le dire, Red n'est pas aussi sombre dans le livre que dans la série. Ce qui est intéressant dans cette biographie, c'est de découvrir le milieu carcéral. Moi j'avais déjà un peu un pied à l'étrier parce que j'ai fait mon mémoire de l'an dernier sur les tueurs en série, comment ils ont été traités dans les médias et dans le milieu carcéral selon leur genre, leur couleur de peau ou leur rang social. Du coup, je savais très bien que les femmes étaient condamnées plus lourdement que les hommes pour les mêmes erreurs, tout simplement parce que on estime que un homme c'est dans sa nature alors que la femme est devenue un monstre. Enfin bon. La justice américaine, venez, prenez place, ça va très mal se passer. Par chance pour Piper, c'est un délit qui est plutôt insignifiant. Donc du coup, elle n'a écopé que de 15 mois. Mais elle explique clairement que dans la prison, il y a des femmes qui ont fait quasiment la même chose qu'elle et qui ont des peines beaucoup plus lourdes. Donc il y a encore des inégalités dans la prison. Elle a également relevé le non-sens de certaines règles. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les gardiens. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Un gardien qui viole une détenue n'écope que de 3 mois de prison. 3 mois. Alors tu comprends, passer de l'argent, ça c'est 15 mois, mais violer un être humain, écoute, 3 mois, c'est pas grave, vas-y. Le système judiciaire américain est dégueulasse. Osez me dire que c'est pas honteux. L'argent, la vie d'un être humain gâché. Ah bah écoutez, l'argent c'est plus grave. C'est pas grave l'autre, elle va s'en remettre. C'est ça qu'on est en train de dire à la détenue là? Écoute, tu t'es fait violer. Ah, pas grave. On chie à la gueule de ces femmes, hein, très cordialement. Piper, dans ce livre, elle nous fait clairement comprendre que du moment où tu franchis les portes de la prison en tant que détenu, tu laisses derrière toi tous tes droits d'être humain. C'est fini. T'es déshumanisé, t'es traité comme un chien. Ça dépend les gardes. Après, elle a dit qu'il y avait des gardiens qui étaient très sympathiques et d'autres qui étaient vraiment ignobles. Et elle raconte plutôt pas mal des gardiens ignobles, en fait. Il y en a quand même un bon paquet. Et après, il y en a aussi des gentils. Mais ils sont très rares. Dans tous ces mauvais traitements, il y a quand même quelques rayons de soleil. J'étais impressionnée de voir à quel point les femmes de la prison se serrent les coudes. Elles se rendent des services sans rien en retour. C'est juste par pur plaisir d'aider. Bon, évidemment, des fois, il y a du troc, il y a des échanges, bon, voilà. Mais moi, ce que je vois, la manière dont se comportait Piper, elle demandait rien en échange, en fait. Elle rendait juste service par plaisir d'aider. Et il y en a d'autres comme ça qui étaient comme elle dans la prison, et c'est juste trop génial. On rencontre quand même des femmes attachantes et on se dit mais qu'est-ce qu'elles ont bien pu faire pour se retrouver là? Et en fin de compte, vous n'aurez jamais vos réponses parce que visiblement, Piper n'a pas voulu le mettre dans son livre. Piper, elle explique aussi qu'au début, elle a eu du mal à voir que, en fait, les détenus se géraient par ethnie. C'est-à-dire qu'il y avait le clan des Latinas, le clan des Noirs, le clan des Blanches et il y avait très peu d'Asiatiques. Et elle était choquée de voir que, bah, ils se réunissaient par ethnie. Et en fait, on se rend compte au fil du livre que qu'importe ton ethnie, qu'importe ta couleur de peau, elles se rendent quand même des services mutuellement. Je pense que si l'histoire avait été organisée différemment et s'il y avait eu un glossaire des personnages, peut-être, j'ai dit bien peut-être, que j'aurais réussi à vraiment accrocher avec cette lecture, mais là ça n'a pas du tout été le cas. Pour moi, c'était une lecture assez moyenne. C'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable. J'étais néanmoins ravie de découvrir pas mal de choses sur le milieu carcéral pour femmes, parce que c'est vrai que c'est un milieu dans lequel je me suis jamais vraiment renseignée, mais c'est très intéressant. La relation de Piper avec ses amis, avec sa famille, avec son mari, elle est hyper touchante, mais la meilleure des relations, c'est celle avec Pop. Elle s'est trouvée une maman de prison, et Pop la prend vraiment sous son aile, c'est trop mignon. Même si j'ai pas été trop fan de ma lecture, je regrette pas de l'avoir lue parce que j'ai appris énormément de choses. Et j'ai lu aussi une sorte de genèse d'une de mes séries préférées sur Netflix. Je pense que le format biographique, c'est pas vraiment fait pour moi pour le moment. Enfin, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, je peine vraiment à accrocher avec les biographies. Mais je ne m'avoue pas battue.
je suis sûre que je peux trouver une biographie qui peut me plaire. Mais ça sera pour dans plus tard. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!